À l'occasion de cette journée qui marque la naissance de notre République, cette journée où notre drapeau a flotté pour la première fois, à tous ceux qui se sont battus dans le passé pour nous garantir un meilleur avenir, aujourd'hui nous vous rendons hommage et vous remercions pour votre sacrifice. Malheureusement cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 nous a empêchés de se voir comme on l'a toujours fait, à défiler devant vous avec ardeur et fierté. Ces jours où la couleur de l'uniforme que l'on porte ne compte plus. Ces jours où nous sommes tous les enfants d'un pays hors du commun. Ces pays où nous avons tous géré de servir et de protéger. Cette chaîne ininterrompue d'hommes et de femmes fiers qui servent leur pays avec honneur. Des hommes et de femmes qui n'hésiteront pas une seconde à donner leur vie pour cette nation qui réclame dignement sa devise. Unité, égalité, paix. Par ces textes, nous souhaitons rendre hommage particulier à nos gendarmes. Ceux qui sont engagés aux quatre coins du pays pour le plus noble des causes, celle de venir en aide à ceux qui en ont besoin, à répondre présent quand on a le plus besoin, à ces guerriers qui reculeront devant rien, qui mettront leur vie en péril, à ces braves hommes et femmes qui s'assurent que nos drapeaux flottent dans les airs, à ces frères d'armes qui n'hésiteront pas à courir vers le danger pour préserver la vie de ceux pour qui ils ont choisi de porter cet uniforme. Ceux qui nous ont précédés l'ont commencé. Nous allons le faire perdurer pour léguer à ceux qui nous suivront. Être gendarme pour nous n'est pas qu'un simple métier. C'est un mode de vie, une manière d'être, un appel au devoir, la découverte d'une passion, l'espoir des générations. C'est un honneur et une fierté de porter les noms des hommes en bleu. À tous ceux qui sont engagés pour lutter contre ce nouveau fléau qu'est le Covid-19, nous sommes tous avec vous. Comme nous l'avons déjà prouvé, notre soutien est permanent. Il suffit de cliquer de doigts et c'est comme si c'était déjà fait. En ces jours honorables, nous avons une pensée particulière à nos frères qui ont été rappelés à Dieu cette année. Chef d'escadron, Abdoulaye Bouaghedi, matricule 90-06-23. Adjudant Idriss Mohamed Alaye, matricule 89-09-57. MDL Chef Ibrahim Abdi Farah, matricule 09-2010. MDL Chef Mahdi Dalaladin, matricule 23-03. MDL Chef Youssouf Ali Ambassa, matricule 14-28-30. JP Dahir Omar Bou, matricule 01-14-20. JP Aboukar Abdurrahman Mohamed, matricule 06-18-02. JP Mohamed Ibrahim Mohamadi, matricule 16-30-68. JAB Ahmed Abakari Abdallah, matricule 14-25-05. JA Ali Mohamed Hamadou, matricule 14-25-37. JA Negir Fourregire, matricule 06-18-22. JA Hassan Jam Ali, matricule 11-22-40. JD Mohamed Hassan Jama, matricule 11-22-98. Jeudi Farhan Saïd Ibrahim, matricule 14-25-78. Et à tous les autres, nos drapeaux ne flottent pas parce qu'elles vont les deux places. Ils flottent avec les derniers souffles de chaque soldat décédé en les protégeant. On ne vous oublie pas. Gendarmes un jour, gendarmes toujours. Que la tombe vous soit légère. On garde vos arrières. Les vôtres sont les nôtres. Reposez en paix, camarades. Que ces jours sacrés soient liés à sa juste valeur, ces jours marqués par l'exaspération de tous nos sens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la gendarmerie nationale vous souhaite une joyeuse fête nationale. De l'indépendance. Toutes les unités de la...
de la fête nationale de l'indépendance.